Ouais, ta soeur la planète, contact des 33 qui t'appelle. Oh, toi, tu dois avoir la tête de la classe hier, comme c'est là. Bon, les stations fréquences qui arrivent du nord, qui vont vers le pont d'Aquitaine, eh bien, ça commence à être pas mal chargé. Attention, senteur pour Dundee 33 qui t'appelle. Attention, Nico, contact des 33 qui t'appelle. Et bonne 73, Daniel. Attends, là pour l'instant là j'ai un peu de mal à te recevoir. De mon côté là je vais me mettre en place. Je me suis rendu compte que là devant un portail là c'était pas mal. Maintenant, s'il y en a qui veulent rentrer pour travailler, ben ils attendront hein, qu'ils aient fini notre QSO après tout. Hein. Ah chi ! Attends, voilà, j'arrive que je me mette en place comme il faut. Il y a plein de trous par ici, mais putain, c'est pas de ce que je préfère, cela. Un chi, trois coups. Ouais, là, je pense, voilà. Là, je suis pile devant un portail. J'ai remarqué que là, cet endroit-là, à quelques centimètres près, là, c'est bon. Bon, attends, on va faire un truc, on va passer sur le canal 27, en uniforme Sierra Bravo, parce que là, c'est vrai que là, c'est assez QRP, et puis en plus, là où tu es, c'est pas le top, donc le canal 27, le 27-275, en uniforme Sierra Bravo, et puis si on dérange, et bien on fera QSY, et puis voilà, quoi. Ok, c'est parti pour moi. Ok, voilà, je suis rendu. Oui, voilà, canal 27, 27-275, uniforme Sierra Bravo, c'est bon de mon côté. Ok, voilà, n'importe quoi. Pour clarifier, je passe en Lima Sierra Bravo. Ah, je suis à fond la forme ce matin, moi. Ah ben ok, d'accord, en Lima Sierra Bravo, il n'y a pas de problème. Ouais, après avoir voir, parce que je suis passé à Lima Sierra Bravo, là j'ai une petite moitié de QRM. Donc on va voir ce que ça va donner, mais c'est quand même plus propre le Lima Sierra Bravo, là c'est comme c'est la bande supérieure. Ah, je crois que c'était la bande inférieure justement. Hein. Enfin bon, peu importe, Hachi. Ça dépend du premier qui va grimper sur l'autre. oui, je t'entends nettement mieux là. Hein. Ah oui, il n'y a pas photo hein, par rapport au uniforme Sierra Bravo. Là, en Lima Sierra Bravo, je t'entends beaucoup mieux. Hein. Eh ben oui, comme ils utilisent très peu le Lima Sierra Bravo, c'est un peu comme à la FM. Hein. Donc. Ah la vache! Comme je te dis, là, comme elle a été. Voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est quand même plus propre. Et si tu
la portée, elle est aussi bonne, voire peut-être un peu mieux. Ok, t'as là, au début de ton message, j'ai une balise là qui a balayé, enfin pas une balise, un bruit de bande là qui a balayé la fréquence là. Putain la vache, ça, il m'a bien cassé les oreilles celui-là. Mais bon, c'est bon, j'ai compris. Ouais, effectivement, si on remarque, si on regarde bien, en dessous du 14 mégas, peut-être même en dessous du 10 mégas, ils sont tous en Lima Sierra Bravo. Hein. Donc, effectivement, ça se comprend. Hein. Oui, tout à fait. Hein. Il faut les échanger, c'est tout. Hein. Oui, tout à fait. Donc, il suffit d'écouter un petit peu là, les bandes d'Era. Et c'est vrai que certaines bandes sont les bases d'Era Bravo. Voilà, donc, et quand la propagation le veut, c'est regarde la fréquence d'appel du Québec. Hein. Le 155 qui sont sur le 155 qui sont allés masser à Bravo. Ouais, c'est très vrai. Alors, qu'est-ce que tu me disais là tout à l'heure là, à propos des postes là, que j'ai ramassés? Enfin, que tu as ramassé, c'est moi qui t'ai les ramassé dans les bois, c'est pas les mêmes postes. Ah si. Oui, non, je te disais, oui, pour le salon là, soit tu amènes juste le petit lot là que tu vas recevoir, ou alors ça, il faudra l'amener un minima là, parce que c'est enfin, bien sympa là, la donation. Ah oui, c'est vrai que c'est bien sympa, hein. C'est pas un genre de truc qui arrive tous les jours. Quoique, c'est quand même la deuxième fois que ça m'arrive. Et ça aurait pu être la troisième fois même si j'avais accepté de traverser la France pour aller jusqu'à du côté du Jura. Ben, je me suis dit là non, ça vaut pas le coup, ça fait trop loin. Quoi. Donc ouais, c'est la deuxième fois que ça m'arrive. La première fois, putain, on avait fait le plein du coffre de la voiture. Hachi. Ben, je me rappelle, en fait, t'avais posté quelque chose, je me rappelle que t'avais fait quelque chose. Voilà. Ah, là, toi, ils sont toujours, tu me fais chier, ils sont toujours bloqués les routes, là, et obligés de faire mes grands détours, là, parce que pour les Martinez, là, je suis obligé de passer par le circuit là-bas autour, là, par le circuit autour, là, qu'on avait rien. Ah, ouais, d'accord, putain, ouais, effectivement, ça te fait un crochet, là. C'est que je fais rien en plus. C'est eux qui me contactent. Hachi. C'est comme ouais, le premier coup là où j'avais fait le plein du coffre. Là on est quand même descendu là au sud de Toulouse. Et c'est le mec qui m'a contacté. Hein. Il a eu une association qui l'avait aussi contacté. Bon, qui n'était pas très sûr. Lui, de toute façon, il était sûr de ce qu'il voulait, c'est-à-dire se débarrasser du matériel. Et il m'a contacté direct, je lui ai dit bougez pas, j'arrive. Et puis voilà quoi. Et là c'est pareil, hein, c'est dimanche. Alors attends, c'est quand? C'est dimanche matin. Ou samedi. Dimanche matin. Oui, je crois que c'est ça, oui. Alors je reçois un message, je lui dis ok, cet après-midi, si ça vous va, j'arrive. Et puis bon ben voilà quoi. Ah ok, non, j'ai cru que ça arrivait d'Alsace, Rémi. J'ai cru que ça arrivait d'Alsace. Ah non, j'ai cru que ça arrivait de l'RCI là-haut. Non, ça arrive bien de chez qui tu as vendu le poste, Hachi.
Non. Allez, tiens, un petit coup de pub. Tout arrive là de chez FCBA33. Voilà, l'association de signaleurs et radio en même temps, là, qui est basée sur Florac. Ils ont encore plein de matériel, hein. Là, là, de ce côté-là, ils sont tranquilles, ils ont de quoi faire encore. Hein. D'accord, bon, mais ok, très bien. Voilà, ouais, alors, ben, tu sais, moi, mon cerveau devant nous, hein, voilà. Je comprends pas tout, hein, j'ai les cerveaux là, hein. Et puis, j'ai les cerveaux là, les champignons, hachés. Ouais, j'ai vu ça, j'ai dit, putain, mais c'est pourtant pas la période. Il faut un climat humide, ceci, cela, pour les champignons. Quoi. Et là, paf, avec une météo de plein été, t'arrives à en trouver, toi. Ah, si, tu as les champignons, qu'on nous appelle les champignons de nez, et les champignons de septembre, octobre. Voilà. Ok, d'accord, toi il y a encore un bruit de bande là, putain, mais ce matin là c'est chargé en bruit de bande. Hein. Putain la vache, je sais pas ce qui se passe là dans le ciel, on va dire. Il y a pas mal de bruit de bande là, qui balayent la fréquence. C'est vraiment. C'est, enfin, pour nous là, c'est comme ça à cette heure-ci, c'est vraiment très rare que ça nous arrive. Hein. Bon, ok, bah écoute, je sais pas ce qu'il y a là, mais j'ai une espèce de curable. Sur le bas-côté, là, donc c'est bon, je vais lancer le micro. Oui, donc, comme je te disais, donc, non, c'est des périodes où tu peux en trouver, hein, mi-juillet. D'accord, ouais, t'as raison, pour vivre heureux, vivons cachés. Si certains jouent des fanjos avec le micro à la main devant les forces de l'ordre, là, ça sert strictement à rien et on ne récolte pas les bons fruits avec. Voilà, ouais, tout à fait. C'est la petite cueillette que je me suis fait, la tranquille. On a déjà eu. On en a vu à la caméra et les techniciens là, qui s'occupent de maintenance tout ça, ils nous disent ouais, il faut. Tu vois, t'as la peine là-bas sur la colline. Ah oui, d'accord, ok. Et puis là, à 14 ans, des bouchons, j'ai fait un petit tour. Et puis voilà, donc je les ai postés, hein. Je ne pourrais pas garder ça pour moi. Voilà, j'ai plein de jaloux hier. Ah, j'ai... ok, et il a fallu que j'en fasse une petite cuisinée, hein, donc on s'est bien régalé. Voilà, ok. Oui, bah, ben, écoutez, chacun son petit plaisir. Moi, tu vois, c'est le plaisir des ondes et de la gastronomie. Et là, je me suis bien délecté. Et tu me feras la photo, à ma bien. Ok, ça marche. Ouais, il n'y a pas de problème. Ah oui, effectivement, là, quand j'ai eu, putain, c'est des bons morceaux en plus. Hein. Ah oui, mais ben, les premiers, si tu veux, les premiers, c'est là où je fais mes contrôles de bus le matin. Et ensuite, donc, je les trouvais trois. Et donc, après, ben, ils étaient au fond là-bas. Je te dirai pas où parce que tu peux pas y rentrer, donc voilà. Et personne ne peut y aller. Bah, sinon je lâche le chien. Ah, voilà, donc si tu veux, voilà, à 14h, ben, j'ai fait un petit tour. En fait, que, ben, voilà, je suis revenu avec quelques petites cueillettes. Voilà. Et il y en a une, je savais qui allait réagir en premier, c'est Thierry, là, le radio amateur, là, le livreur de béton.
Ok, d'accord. Oh putain, hey, hier, là, en fin d'après-midi, là, quand j'ai pris la route pour le pro, bon, il y avait de la compacte de partout, ceci, cela et tout. Mais putain, j'ai été surpris, pour changer, pourtant en principe, quand il y a de la propague, je suis plutôt en BLU, et quand il n'y a rien, je suis plutôt sur les 40 canaux. Et là, pour changer, malgré la propague, je suis descendu sur les 40 canaux, putain, j'ai été surpris, il y avait du monde quand même sur le 19, hein. Puisque là, j'ai eu en premier un OM du groupe Facebook, qui doit être sur le forum, je crois, en même temps, Christophe. Voilà, j'ai eu lui en premier. À chaque fois, il met un petit message hein, quand il passe là de mon côté. Là, il met un petit message sur le groupe. Ouais, comme quoi, il va faire la route. Je sais plus Bergerac, les Bournes, je sais plus trop quoi. Là, à chaque fois, il met ça. Quoi. Là, c'était le cas hier. Son message, je l'avais pas vu. Quoi. Donc, ça a été la surprise de l'attraper sur la route. Puis après, j'ai eu d'autres stations. Et pour finir, Beltoise. Putain la vache, il poussait le micro à une force tellement fort que je comprenais que dalle quoi. Là je lui ai demandé de le baisser parce que là ça saturait complètement quoi. Non mais c'est vrai que de ton côté, toi, t'es enfermé en plus avec les arbres, les bâtiments, ceci, cela, que moi, là où je passe, jusqu'à Bordeaux, là, jusqu'à là où je suis en ce moment, c'est du dégagé, hein, puisque tellement dégagé que là, j'ai le pont d'Aquitaine là, en ligne de mire, là, quasiment. Hein. Je peux te dire que là, ça circule bien dessus, là. Non mais c'est vrai que le dégagement de mon côté est des meilleurs, hein. Ça, y a pas photo, hein. Affirmatif, bon c'est vrai que je te l'ai pas dit en début de cuisson parce que je sais très bien que j'ai ton autorisation. Donc là il n'y a pas de problème à ce niveau-là, je te cache rien. Et en tout cas, pour le mode Lima Sierra Bravo, c'est vrai que je le savais déjà qu'en général ça passe mieux, c'est plus propre, la qualité est meilleure en Lima Sierra Bravo qu'en uniforme Sierra Bravo. Et effectivement, c'est un mode qu'on va garder à chaque fois qu'on fait QSY et qu'on bascule en BLU. Oh ouais, c'est sûr que tu as bien raison. Ok, je te laisse, je vais reprendre la route. Les bonnes soirées à toi. Merci pour ce QSO et je sais plus quand. À la prochaine. Ouais, de toute façon, demain, après-demain, je suis en journée sur le chantier là-bas. Et tiens, là-bas aussi, c'est le chantier là du côté de Saint-Émilion. Et là-bas aussi, le stationnement, c'est obligatoirement en marche arrière. Tu vois, comme quoi, maintenant, ça s'est vraiment mis partout. Ok, merci, bye-bye.
Attention la belette pour Dandy 33 qui t'appelle. Attention la belette. Attention Nico ou Christophe pour Dandy 33 qui vous appelle. Bien calme ce matin. Attention la belette pour Dandy 33 qui t'appelle. Oh toi, tu dois avoir la tête de la caissière comme c'est là. Bon, les stations en fréquence qui arrivent du nord, qui vont vers le pont d'Aquitaine, eh bien, ça commence à être pas mal chargé. Il y a du monde là, mais c'est tellement faible. Pour certains, les horaires ne soient pas les mêmes cette semaine. Forcément, forcé. Ah, et puis en plus, c'est vrai qu'il y a, l'alerte canicule. Donc, il y en a qui ont embauché plus tôt. Mais heureusement que je suis à 110, moi. Et la pompe qui arrive. Et il est 6h30. Voilà, il est 6h30. Ça commence à arriver. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, en mobile sur le département de la Gironde. Ah, comme on voit le soleil est bas sur l'horizon, ça commence à mijoter un peu. Hier soir, je crois que la propague a dû bien tenir jusqu'à, je sais plus, 11h moins le quart, je crois, je sais plus. Oh oui, facile.
ils étaient bien, ils dorment encore. CQO CQO CQDX, appel de 14 km 3301 opérateur Rémi, en mobile sur le département de la Gironde, la nationale 89. CQO CQO CQDX, appel de 14 km 3301 opérateur Rémi, en mobile sur le département de la Gironde. Attention, Loulou 33, pour Dandy 33 qui t'appelle. Je viens de te croiser là sur la nationale 89. Vite, j'ai de la moustache là pourtant. Ça revient un peu. Ça commence déjà comme ça, ça promet d'être une belle journée à ce niveau-là. Ah, les cuisses sont pas là. Oh, j'ai compris où ils sont. Je sais pas qui c'est, mais ils y sont. CQO CQO CQDX, appel de 14 km 3301 opérateur Rémi, en mobile sur le département de la Gironde. CQO CQO CQDX, appel de 14 km 3301 opérateur Rémi, en mobile sur le département de la Gironde. Hop, la propague est du côté de la M.
juste un petit passage. Ça ressemblait aux Italiens, ce qu'on a entendu là juste avant. Quelque chose qui mijote. Ouais. Ce sont 13 des stations de la part de Dundee 33 en mobile depuis Sainte-Colombe. Merci, tout ça retourné et surtout reste à l'ombre vu ce qui est annoncé. Mais bon, d'un autre côté, la propague est là en ce moment, c'est bon à pouvoir en profiter. Ok, Joseph de l'Italie, les bonnes 113-51 à vous. Ouais, toi, quand je te dis que la propague est là, tiens, ça n'a pas raté, quoi. Ok, merci, bonne journée à toi. Ok, station de Milan et 73 des amitiés. Bye bye, mon QTH Saint-Émilion. Merci beaucoup, bye bye. Bon, ben ça c'est fait. Et là, quand on écoute comme ça, on a l'impression qu'il n'y a rien. Ah, c'est sporadique là. On va faire un petit tombé, lui, pour voir. Là, on est sûr que la propague est là. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, en mobile sur le département de la Gironde. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, en mobile sur le département de la Gironde. CQ, CQ, CQDX, pour 14 km 3301 qui lance appel en mobile depuis le département de la Gironde et qui vous propose un QSY sur le 27 565. 27 565, c'est parti pour moi.
CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, en Mobis, Sud-Ouest France, le département de la Gironde. Ah, en AM, je fais l'Italie, là, vite fait. Enfin bon, bref, très brièvement, il m'a quand même entendu. Et en BLU, putain, j'arrive pas à passer, là. Ah, je suis tranquille. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, en mobile sur le sud-ouest de France, département de la Gironde. Bon. Et je suis à 80 km à l'est de Bordeaux. 80 km à l'est de Bordeaux. Et à 20 km, 40. Voilà, retour aussi pour revenir sur votre prénom. Merci. Ici, aussi David. Ici, David. Ici, le prénom d'Opéra. Luc, Lima, je me trouve pris de la ville de Mando. Thank you.